Thank you.
lehet? Finir. Le grâce s'ajoute au grain. Ah, ah, ah. Et un jour soudain, un beau jour soudain, c'est un tas, un petit tas, l'impossible tas. Ne peut plus me punir. Non, jamais. Je m'en vais dans ma cuisine. 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres. Attendre, attendre qu'il me siffle. Toi, sur toi. Ce sont de jolies dimensions. Je m'appuierai à la table, je regarderai le mur en attendant qu'il me siffle.
jouer. C'est dire que nos souffrances se valent sans doute. Non, tout est absolu. J'en ai plein, et plus on est vide. Clove. Non, je suis seul. Quel rêve avec Nes assez, il est temps que cela finisse dans le refuge aussi. Et cependant, j'hésite à finir. Oui. C'est bien ça, il est temps que cela finisse, et cependant j'hésite encore. Ah.
Oh là là, qu'est-ce que je tiens? Je ferais mieux d'aller me coucher. Prépare-moi, je vais me coucher. Je viens de te lever. Et après, je ne peux pas te lever et te coucher toutes les 5 minutes. J'ai à terre. J'ai perdu ma tante. Oh, cela, je l'avais hier. Tu me vois mal, et toi, quoi? Tu me vois mal. Oh, mieux, non. Ne dis pas ça, ne dis pas ça. Notre vie a décidé. Oui. Notre quoi?
tapissée. As-tu autre chose à me dire? Tu te rappelles l'accident de ton rein où nous laissâmes notre vol? C'était dans les Ardennes. À la sortie de ce temps. Tu as froid? Oui, très froid. Et toi? Gisèle, tu veux rentrer? Oui. Alors rentre. Pourquoi ne rentres-tu pas? Je ne sais pas. Je ne sais. On a changé ta cire. Ce n'est pas de la cire. Tu ne peux pas être un peu précis, Nag. Transable alors, quelle importance? C'est important. Autrefois, c'était de la cire. Mais oui. Et maintenant, c'est du sable. De la plage. Maintenant, c'est du sable qu'il va chercher à la plage. Eh oui, oui. Il te l'a changé? Non. À moi non plus. Il faut que tu veux un bout? Non. De quoi? De biscuits. Je t'en ai gardé la moitié. Les trois quarts pour toi. Ça ne va pas. Mais taisez-vous, taisez-vous. Vous m'empêchez de dormir. Parlez plus bas. Si je dormais, je ferais peut-être l'amour. J'irai dans les bois, je verrai le ciel, la terre. Je pourrais me poursuivre.
il y a une goutte d'eau dans ma tête. Un cœur dans ma tête. As-tu entendu un cœur dans sa tête? Il ne faut pas rire de ces choses nègres. Pourquoi ris-tu toujours, 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 toujours? Pas si fort, pas si fort, toujours. Toujours bonne, mais nous n'en rions plus. As-tu autre chose à me dire? Non. Réfléchis bien. Je ne veux pas ton biscuit. Je te le garde. Je croyais que tu allais me laisser. Je vais te laisser. Tu peux me gratter d'abord? Non. Hier, tu m'as gâté. C'est peut-être une petite laine. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est peut-être une petite veine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Je vais te raconter l'histoire du tailleur. Pourquoi ça? Pour te dérider. Elle n'est pas drôle. Elle t'a toujours fait rire. La première fois, j'ai cru que tu allais mourir. C'était sur le lac. C'était sur le lac de Caux.
Écoute-la encore, allons-y, ayant besoin d'un pantalon rayé en vitesse, pour les fêtes du nouvel an, se range son tailleur qui lui prend ses mesures, et voilà qui est fait. Revenez dans 4 jours, il sera prêt. Désolé, désolé.
revenez dans 10 jours. J'ai salopé l'entrejambe. Bon, d'accord. L'entrejambe, c'est délicat. Dix jours plus tard, navré revenait encore ce jour. J'ai bousillé la plaquette. Bon, à la rigueur, une belle plaquette s'est calée. Oh, je la raconte mal. Je raconte cette histoire de plus en plus mal. Enfin, rêve de faufile en aiguille. Voici Pâques fleuries. Et il loupe les poutounières. Pas fini, vous n'allez donc jamais finir. Ça ne va donc jamais finir. De quoi peut-on parler encore? Mon royaume pour un boueux. Enlève-moi ces ordures, fous-les à la mer. Thank you.
qu'est-ce qu'elle raconte? C'est l'heure de mon histoire. Tu veux écouter mon histoire? Non! Demande à mon père s'il veut écouter mon histoire. Il dort. Réveille-le! Il aura une dragée. Il marche. Tu crois à la vie? La mienne l'a toujours été. Pas dans les gencives. J'écoute. Salopard, pourquoi tu m'as fait? Je ne pouvais pas savoir. Toi, qu'est-ce que tu ne pouvais pas savoir? Que ce serait toi? Tu me donneras une dragée. Après l'écoute. Juré. Oui. Sur quoi? Une pour moi et une silence. Où en étais-je?
s'est cassé. Nous sommes cassés. Ça va passer. Il n'y aura plus de une goutte d'eau depuis les fontanelles. Elle s'écrase toujours au même endroit. C'est peut-être une petite veine, une petite artère. Alors, c'est l'heure. Où en étais-je? Se traînant sur le ventre. Oh, se traînant sur le ventre d'une pâleur et d'une maigreur admirable. Il paraissait sur le point de non, ça je l'ai fait. Joli ça. Je bourrai tranquillement ma pipe de ma niaisite, l'allumer avec une, mettons, une suédoise, en tirer quelques bouffées. Oh. Il faisait ce jour-là, je m'en souviens, froid extraordinairement vif, zéro au thermomètre. Mais comme nous étions la veille de Noël, cela n'avait rien d'extraordinaire. À tant de saisons comme cela vous arrive. Alors, quel sale vent vous amène? Il va vers moi.
saleté et de larmes mêlées. Ça va aller. Non, ne me regardez pas, ne me regardez pas. Baissa les yeux en marmottant des excuses sans doute. Je suis assez occupé, vous savez, les préparatifs de fête. Mais quel est donc l'objet de cette invasion? Un soleil vraiment splendide, 50 à l'héliomètre. Mais il plongeait déjà dans la. Elle est morte. Joli, ça. Allons, présentez votre réplique. Mille souhaits m'appellent. Ça, c'est du français. Enfin, ce fut alors qu'il prit sa résolution. C'est mon enfant, dit-il. Aïe, 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 un enfant, voilà qui est fâché. Mon petit, dit-il, comme si le sexe avait de l'importance. D'où sortait-il? Il me nomma le trou, une bonne demi-journée à cheval. N'allez pas me raconter qu'il y a encore de la population là-bas, tout de même. Non, personne, sauf lui et l'enfant, en supposant qu'il exista. Bon, je m'enquis de la situation à coffre. De l'autre côté du détroit, plus un chat. Bon, et vous voulez me faire croire que vous avez laissé votre enfant là-bas tout seul et vivant pas dessus le marché. Allons. Il faisait ce jour-là, je m'en souviens, un vent cinglant, sans à l'anémomètre, arracher les pins morts et les emporter. Oh, ouais, un peu faible ça. Allons, qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Je dois allumer mon sapin.
Enfin, bref, je finis par comprendre qu'il me voulait du pain pour son enfant. Du pain, un gueux comme d'habitude. Du pain, mais je n'ai pas de pain, je ne le digère pas. Bon, bon, alors du blé. Ça va aller. J'en ai, il est vrai, dans mes greniers. Mais réfléchissez, réfléchissez. Je vous donne du blé, un kilo et demi. Vous le rapportez à votre enfant. Et vous lui en faites, si vous êtes encore, une bonne bouillie. Une bonne bouillie. Ses couleurs, peut-être, et puis, je me fâchais, réfléchissez, réfléchissez, vous êtes si c'est sans remède. Il faisait ce jour-là, je m'en souviens, un temps excessivement sec. Zéro allégromètre. Le rêve pour mes rhumatismes. Mais enfin, quel est votre espoir que la terre naisse au printemps? Que la mer et les rivières redeviennent poisonneuses. Qu'il y ait encore de la manne au ciel pour des imbéciles comme suffisamment pour lui demander combien de temps il avait mis pour venir. 3 jours pleins. Dans quel état il avait laissé l'enfant? Mais dans quel sommeil déjà? Enfin, bref, je lui proposais d'entrer à mon service. Il m'avait remis. Et puis, j'imaginais déjà n'en avoir plus pour longtemps. Hein?
Ah! Alors, alors, alors. Ici, en faisant attention, vous pourriez mourir de votre belle mort qui est au sec. Allô, allô. Il finit par me demander si je consentirai à recueillir l'enfant aussi. C'était l'instant que j'attendais. Si je consentirais à recueillir ce que je venais de lui signifier à ce propos. C'est fini pour aujourd'hui. Je n'en ai plus pour longtemps avec cette histoire. À moins d'introduire d'autres personnages. Mais où les trouver? Où les chercher? Exterminé. À moitié, tu nous as dérangé. Il ne peut pas se sauver. Non. Tu l'achèveras tout à l'heure. Prions Dieu. Encore. Ma dragée. Dieu d'abord. Vous y êtes. Allons-y. Et toi? Silence! En silence! Un peu de tenue. Allons-y.
Je t'en fous. Et toi, Fénix, et toi, attends, ma coche, le salon, il n'existe pas. Ma trajet. Il n'y a plus de trajet. C'est normal. Après tout, je suis ton père. Il est vrai que si ce n'avait pas été moi, ça aurait été un autre. Mais ce n'est pas une excuse. Ne hâte le coup, par exemple, qui n'existe plus, nous le savons bien. Je l'aime plus que tout au monde. Et un jour, je t'en demanderai en contrepartie d'une complaisance. Et tu m'en promettras. Il faut vivre avec son temps. Il faut vivre avec son appelais-tu quand tu étais tout petit et avais peur dans la nuit, ta mère? Non, moi, on te laissait crier, puis on t'éloigna pour pouvoir dormir. Je dormais. Tu m'as fait réveiller pour que je t'écoute. Ce n'était pas indispensable. Tu n'avais pas vraiment besoin que je t'écoute. D'ailleurs, je ne t'ai pas écouté. Où tu auras vraiment besoin que je t'écoute et besoin d'entendre ma voix, une voix. Oui, j'espère que je vivrai jusque-là pour t'entendre m'appeler comme lorsque tu étais tout petit et avais peur dans la nuit, et que j'étais ton seul espoir.
fini la rigolade. Mon bisaïeul Prospero l'a dit. Our rivals now are ended. Ce n'était pas du pain. Thank you.
tête, me jeter par terre. Enfoncez mes ongles dans les rainures et me traînez en avant à la force du poignet. Sera la fin et je me demanderai s'il y a bien pu l'appeler et je me demanderai ce qui a bien pu pourquoi elle attend ta j'aurais appelé mon père, et j'aurais appelé mon fils, et même deux fois, trois fois, au cas où il n'aurait pas entendu, à la première, à la seconde. Je me dirais, il reviendra. Et puis, il n'a pas pu. Il est allé trop loin. Toutes sortes de fantaisies. On me surveille. Un rat, des pas et des yeux. Le souffle qu'on retient. Et puis. Puis parlez vite des mots, comme l'enfant solitaire qui se met à plusieurs. Deux, trois, pour être ensemble et parler ensemble dans la nuit. Instant sur instant, plouf, plouf, comme les grains de mille de ce vieux grec et toute la vie on attend que ça vous fasse.
maître. Ni loin, ni mort. L'esprit seulement. Lequel? De loin, tu serais mort. Et inversement. Loin de moi, c'est la mort. Et sera. Il s'est sauvé. Il n'ira pas loin. Hein? Il n'a pas besoin d'aller loin. Ce n'est pas l'heure de mon calme. Si. Ah, enfin. Donne vite. Plus de calme, tu m'auras jamais plus de calme. Mais la petite boîte ronde, elle était pleine. Oui, mais maintenant elle est vide. C'est fini, Claude. Nous avons fini. Je n'ai plus besoin de toi. Ça tombe bien. Laissez-moi la gare. Avant de partir, dis quelque chose. Il n'y a rien à dire.
puisse repasser. Dans mon cœur, ton cœur, oui, eh oui. Les ombres, les murmures, tout le mal pour terminer. Clove, il ne m'a jamais parlé, puis à la fin. Avant de partir, sans que je lui demande rien, il m'a parlé, il m'a dit quelque chose. De ton cœur. Quelques mots de ton cœur. Joli oiseau, quitte ta cage. Vole, vole, vole vers ma bien-aimée. Dans son cœur sage, dis-lui, 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 combien je suis. Amerdé. Assez. Arrête-toi, relève la tête et relève.
dit allons, tu n'es pas une bête. Pense à ces choses-là et tu verras comme tout devient clair et simple. On m'a dit tous ces blessés à mort, avec quelle science on les soigne. Je me dis quelquefois, Clove, il faut que tu arrives à souffrir mieux que ça. Si tu veux que cela se termine, un jour, je me dis. Love, il faut que tu sois là, mes enfants, si tu veux qu'on te laisse partir. Un jour, mais je me sens trop vieux et trop loin pour pouvoir former de nouvelles habitudes. Bon, ça ne finira donc jamais, je ne partirai donc jamais. Ça finit, ça change. Je ne comprends pas. Ça meurt, c'est moi, je ne comprends pas. Ça non plus. Je le demande au mot qui reste. Ça. Thank you.
moi de jouer. Viens, il est fait de partir. Perdre. Voyons. Ah oui. Oui. Bon, je t'ai. Papillon, quel écu. Encore quelques conneries comme ça, et j'appelle.
Non. Non, non. Instant nul, toujours nul, mais qui font le compte, que le compte y est, et l'histoire est close. Avoir son petit avec lui, que j'attendais. Vous ne voulez pas l'abandonner. Vous voulez qu'il grandisse pendant que vous rapetissez. Nous adoucissent les 100 000 derniers quarts d'heure. Lui ne se rend pas compte, il ne connaît que la faim, le froid et la mort. Oh. Devez savoir ce que c'est la terre à présent. Oh, je l'invite devant ses responsabilités. Thank you.
Terminé. Jetez. Puisque ça se joue comme ça, je pense à comme ça.